Le paysage de l'Angleterre et le climat du mois de juin se combinent d'une manière merveilleuse qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et quand vous y ajoutez la solitude la plus complète, vous vous croyez au paradis. C'est moi que vous venez voir. Vous avez une jolie chemise. Si nous entrons en contact avec vous de cette manière, c'est que nous connaissons votre goût pour le bizarre. Parce que vous trouvez ça bizarre. Ce n'est pas la question. Écoutez, je viens vous demander de penser. Oui, mais à quoi? À la destinée. C'est-à-dire à la mort. Ce qui explique la présence de tous ces bouts en train. Croyez-vous que la mort soit inévitable? Oh oui, je crois qu'un jour ou l'autre, on nous rappelle. Eh bien, c'est une erreur. On l'appelle Mimi. Qui, elle ou bien Madame Butterfly? Cette souris a eu sa vie plus que doublée parce que nous la nourrissons depuis sa naissance avec de l'hydroxyde de toluène. Gardez-la, s'il vous plaît, pendant 24 heures et examinez-la avec soin. Ah, j'en rêvais, justement. Bientôt, nous vous ferons signe à nouveau. Je vous rejoindrai à l'estafette. Vous avez été choisie parmi de nombreux autres. Par vous, j'espère. Vous n'avez aucune famille vivante et vous vous déplacez sans arrêt. Alors, je vous emmène? C'est-à-dire que personne, en tout cas pas la police, ne sera le moins du monde intrigué par votre absence de Londres. Mais je compte bien rester un peu à Londres. Ce sera très peu, alors. Très bien. Et vous croyez que je vous écouterai? Mais nous y comptons. Pour la réussite de notre projet, personne ne pouvait mieux nous convenir que le célèbre Simon Templar, le saint. Alors, Mimi, que vendent-ils donc? Un élixir de longue vie?
Monsieur Templar, vous passez pour être un homme intelligent. Comme la plupart des gens, vous avez tendance à vous croire éternel. C'est évidemment une erreur. Vous êtes mortel. Et nous commençons à mourir le jour même de notre naissance. Nous sommes certains que la mort nous frappera un jour ou l'autre, quoi que l'on fasse. C'est une question de temps. C'est exact. Peut-être vous frappera-t-elle dans les 60 secondes suivantes. Peut-être ne vous frappera-t-elle pas dans les 60 années à venir. Réfléchissez au caractère inévitable de la mort. Et je vous demande de réfléchir en même temps aux joies que peut vous offrir la vie. Au sujet des joies de la vie, c'est de moi qu'il parlait. Ah oui, au sujet de la mort, en ce cas, il parlait de votre arme. Oui, c'est exact. Avancez donc, je puisse mieux vous voir. Oh, pas trop près. Êtes-vous responsable de ce cadeau? C'est un travail d'art. Oui, la ressemblance est évidente. À ce prix, je sais que mon père l'a payé une fortune. Votre père? Oui, c'est sa voix que vous avez entendue. Il est merveilleux, soigné, attentionné, très cultivé. C'est passionnant. Monsieur Templar, nous ne voudrions surtout pas vous faire le moindre mal, pour le moment. Nous tenons pourtant à vous montrer que si nous le voulions, nous le pourrions. En plein cœur. Qu'en pensez-vous? Je suis content. Elle est toute neuve. Avec des balles réelles, je vous aurais tué. Et j'aurais rendu mon père fou de rage. Et ça ne m'aurait certainement pas réjoui. Je me trouve très attirant. Je dois dire que c'est plutôt réciproque. Le petit jeu est terminé. Je vous écoute. Oh, écoutez, vous n'êtes pas du tout menaçant. Je peux le devenir? Vous ne me ferez aucun mal. Ne croyez pas ça. Oh, vous pourriez, c'est entendu, physiquement. Mais psychologiquement, votre indice d'hostilité envers les femmes est voisin de zéro. Il peut vite augmenter. Non, en aucun cas. Nous savons que vous êtes très stable de caractère. Ah, très bien. Je crois que vous avez raison. Comment vous appelez-vous? Stella. Stella quoi? Nous vous apprendrons tous nos secrets en temps utile, lorsque nous estimerons que vous le méritez. Et que penseriez-vous si j'appelais, disons, la police? Que lui diriez-vous que je vous ai donné une réplique exacte de vous-même et ma sœur une petite souris blanche? Votre sœur? Oui, tout à l'heure à la campagne, vous avez rencontré ma chère sœur. Et c'était vos quatre frères, bien entendu, qui l'accompagnaient. Non, ils travaillaient, ceux-là. Ah, ce sont de vrais fossoyeurs. Nous vous dirons tout. Ah, écoutez, je dois vite m'en aller. Oh. Oh. Ah. La police ou bien alors l'ambulance? Vous n'appelleriez jamais la police, nous en étions persuadés. Vos sentiments intérieurs les plus secrets ainsi que vos impulsions ont été examinés par un ordinateur. Ah, alors ça change tout. Nous avons aussi analysé votre ego et votre super-ego, votre intelligence, votre libido et finalement votre stabilité. Nous avons découvert aussi quel était votre chemisier. Ah oui, le chemisier. J'irai lui parler de ça. Les résultats sont merveilleux. Oh, je vais rougir. C'est pour toutes ces raisons que vous êtes notre cas numéro un. Écoutez, je suis navrée, mais il faut que je parte sans perdre une seconde. Pourtant, j'adorerais rester toute la nuit. Alors, obéissez à vos impulsions. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis très sage. Oh, j'en suis certain. Votre façon d'agir me l'a prouvé. Nous reparlerons de tout ça. Un de ces jours. Au revoir. Je suppose que c'est vous qui avez envoyé la lettre. La lettre? Mais quelle lettre? Je l'ai mise à l'abri. Attendez. J'espère qu'il sera aussi intéressant que moi. Simon! Ah.
Tu sais, il n'est pas aussi maniable que toi, Mimi. On t'attendait? Ça s'est bien passé? Oui, mais je crois qu'il a besoin d'une mise en condition plus sérieuse. Cette fameuse réception que je l'ai vue pour la dernière fois. Depuis, je n'en ai eu aucune nouvelle. Excusez-moi, vous avez un petit moment? Bien sûr, à tout à l'heure. Cet hélicoptère... Mais qu'est-ce qu'il a? À qui appartient-il? Aucune idée. Vous connaissez sa destination? Oui, il a décollé pour Édimbourg. Eh bien, j'ai là deux jolis billets qui n'iront certainement pas jusqu'à Édimbourg. Ah, ça change tout. D'accord. Bien sûr. Il y aura encore 20 livres si vous trouvez à qui il appartient et l'endroit où il atterrira. Vous n'aurez qu'à venir me voir à cette adresse. Je vous ferai vite signe. Allez-y, je suis prêt. Je demande la vérité, non du tact. Je sais que j'ai le cœur en mauvais état. Et à regarder vos expressions funèbres, je suppose qu'il a empiré. Oui, monsieur Longman, c'est exact. Oui, c'est très net. La fibrillation est plus fréquente et la détérioration est encore plus rapide. Alors, en clair, combien de temps me reste-t-il à vivre? Docteur Williams, mon père vous a posé une question. Une question à laquelle il est très difficile de répondre. Essayez. Vous pourriez vivre encore 6 mois ou... Vous écroulez dans 10 minutes. Tu vois, ma chérie, tu vois à quelle sottise peut arriver la profession médicale. Cette incapacité à répondre aux questions d'une manière précise et décevante. Je vous salue, messieurs. Il a l'air très touché. Il peut l'être, je crois. Chuck, Morris, laissez-nous maintenant. Ça a empiré, Carl. J'en suis désolé, monsieur Longman. Ça a empiré et ça continuera encore. Vous connaissez l'importance du travail que nous menons et j'ai l'intention de l'achever.
Carl, que l'ensemble du personnel soit rassemblé dans 2 minutes. Bien. Attention, ordre de Monsieur Longman, que tout le personnel soit rassemblé dans 2 minutes. Parfait. Revenons-en à Templar. Entendu. Son enregistrement psychoanalytique nous montre une tendance particulièrement nette vers le bizarre. Le bizarre n'est qu'un manque d'imagination. Oui, c'est exact. Je peux mourir d'un instant à l'autre. Chaque minute est importante. Supposons que je lui offre une énorme somme d'argent. Les renseignements que nous possédons nous assurent qu'il est incorruptible. C'est un homme qui adore la vie facile, mais qui n'est pas très intéressé par l'argent. Tout le monde s'intéresse à 1 million. Non, pas Templar, j'en suis persuadée. Il est beaucoup trop stable. Nous déclencherons la phase cette nuit. Monsieur Longman, rien n'est prêt. Débrouillez-vous. Très bien. Et nous devrions avoir le temps d'amener Templar ici par la force. Non. Tu veux bien répéter? Je le connais mieux que vous tous réunis. C'est un cas unique. C'est pour ça que nous l'avons choisi, n'est-ce pas? Et je pense qu'il vaut mieux essayer de le convaincre en douceur de venir tout seul. C'est un romantique et d'une certaine manière un idéaliste. Nous avions décidé de ne pas utiliser la force. Les docteurs assurent qu'à chaque instant, je peux mourir. Mais ça n'arrivera pas. Si, peut-être. C'est un risque que je refuse de courir. Si tu utilises la force, il combattra. Et s'il est blessé, il ne te sera plus d'aucune utilité. Et ce risque-là, nous devons le courir. Non, je suis désolée. Non, je suis contre. Stella, tu sais, quelquefois, je dois dire que je trouve ta conduite irritante. C'est curieux, c'est exactement ce que je me disais. Stella, ou tu es avec moi, ou alors tu es contre moi. Tu sais que je n'accepte pas les positions moyennes. Écoute, j'ai pris la décision de ne supporter d'intervention d'aucune sorte, pas même la tienne. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Je le souhaite. Sincèrement. On ne m'arrêtera plus. Monsieur Longman, le personnel est réuni en bas. Allons-y, ma chérie. Vous savez tous pourquoi vous êtes ici et pourquoi je vous paye un salaire de 2000 livres par mois, exempt d'impôts. Si vous remplissez votre contrat, vous vous en irez d'ici avec un magot confortable. Nous avons trouvé le cas idéal qu'il nous fallait. Il s'appelle Simon Templar. C'est inutile de vous dire que nous risquons aussi bien de le tuer. Si l'un d'entre vous n'est plus d'accord et s'il a quelques scrupules, qu'il le dise et qu'il se retire maintenant. Parfait. J'en conclus à votre silence que je suis en droit de compter sur votre obéissance et votre loyauté. Monsieur Templar sera parmi nous demain. Dans 36 heures environ, notre ultime expérience sera menée à bien. Jusqu'à ce qu'elle soit achevée, je veux que tous nos hommes montent une sévère garde. Vous serez tous armés et nous vous fournirons des gaz paralysants en plus de vos armes. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, je ne tolérerai aucune désobéissance. De qui que ce soit. Vous pouvez vous retirer. Merci, messieurs. Donnez-moi le rapport. Stella risque de nous créer des ennuis, Carl. Oui, Monsieur Longman, j'en ai aussi l'impression. J'espère pour elle qu'elle s'en abstiendra. Qu'elle ne s'oppose pas à moi, je ne le lui permettrai pas. Plus maintenant. Que je me sens un peu nerveux. Je veux bien vous croire, Monsieur Longman. Je suis un savant. Mais peut-être bien que si je croyais en Dieu... Vous feriez une prière? Oui. Vous aviez raison au sujet de cet hélicoptère. Il n'allait pas du tout à Édimbourg. Aux environs de 5 heures, on l'a repéré un peu avant Sherbourne, un petit village du Somerset. Il a été repéré pour la dernière fois par ce pirate de Peter Williams, un ami à moi. Il se trouvait alors à l'extrême sud-ouest du pays, c'est-à-dire tout à fait dans la direction inverse. Interrogez Peter, il pourra mieux vous renseigner. Oui, entendu.
À qui appartient l'hélicoptère? Il a été enregistré et déclaré au nom de John Smith, habitant 41 rue Sarto. Ce qui est une fausse adresse, j'y suis allé. Eh bien, ils sont à vous. Merci, Monsieur Templar. Désolé d'avoir été imprécis. Vous m'avez beaucoup aidé. Étant donné que certains trouvent une aiguille dans une botte de foin, je trouverai un hélicoptère dans les Cornouailles. Je le souhaite. Nous aussi. Alors, Mimi, nos amis étaient tellement occupés à analyser mes tendances les plus secrètes et ce qui s'y rapporte qu'ils ont oublié le plus important des facteurs. Ma curiosité légendaire. Bonne chasse, Monsieur Templar. Merci. Il y a encore autre chose, Mimi. Mon indice d'hostilité augmente de beaucoup. Qu'en dis-tu? Quand je l'ai vu, il se dirigeait par là. Le village de Saint-Maus. Il ne reste que ça ou la Manche. Ou alors il aurait viré à l'est. Non, ce serait idiot. J'ai plutôt l'impression qu'il voulait atterrir dans cette région-là. Le long de cette route? Oui. Ça vaut la peine d'essayer. Ce ne sera pas facile. Rien n'est facile de nos jours, n'est-ce pas, Mimi? Eh bien, Mimi, tu connais une prière? Écoutez bien, nous savons grâce à son carnet d'adresse que Templar a un rendez-vous à 8h30. C'est-à-dire qu'il devrait partir de chez lui à 8h environ. Alors, soyez là-bas à 6h. Nous avons oublié un certain détail. C'est un homme qui essaie toujours d'avoir l'initiative. J'ai peur qu'il se soit déjà lancé à nos trousses. Ça m'étonnerait après seulement un jour de cette situation. En plus, vous serez chez lui avant qu'il ait eu le temps d'agir. Oui, c'est exact. Alors, allez-vous-en. N'oubliez pas qu'il ne faut le blesser en aucune manière. Tu vois, Mimi, nous avons réussi. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'obscurité. Ah, Mimi, il est temps d'aller voir. Parfait, absolument parfait. Oui, je crois que ça ira. Tous les appareils utilisés pour la phase numéro 1 fonctionnent parfaitement. Ils sont maintenant tous placés en position automatique. Ils vont revenir avec Templar dans à peine 2 heures. Mimi, il ne reste qu'à espérer que ton indice de conservation est élevé. Il te sera utile. Je te laisse. Sois prudente. Et moi aussi. Tu en veux une? Non, merci. Tu as du feu? C'est le grand soir. À ce qu'il dit. Tu crois qu'il réussira? Je n'en sais rien. Et au prix qu'il nous paye, je m'en moque. Encore quelques mois et j'en aurai assez pour m'en tirer. Allô, Chuck, ici Tom. Je t'écoute, Tom. 9h, rien à signaler. D'accord, merci, Tom.
5 heures à venir vont me paraître aussi longues que 5 années. Si jamais il devait y avoir quelque chose qui tourne mal, ça se produirait dans les 10 premières minutes ou alors à la fin. Oui, c'est logique. Stella, viens ici, je te prie. Où est-ce que tu vas? Je vais chez des amis. Je suis tout à fait désolé, mais tu resteras ici. Je ne veux pas rester. Étant donné que tu utilises la force, j'ai décidé de te quitter. J'ai peur de devoir te garder dans cette maison. Tu as autorisé ton personnel à faire son choix. C'était l'autre nuit. Je suis ton père, en outre. Est-ce que c'est important à tes yeux? Non. C'est bien ce que je pensais. Personne ne se dressera contre moi, tu as compris? Carl, allez l'enfermer, voulez-vous? J'aimerais savoir quel risque je représente. Je suis seule contre vous tous. Stella. Je suis navré. Ça m'étonnerait. Avec ce qu'il vous paye chaque mois, être navré. À quoi êtes-vous prêt pour ce prix? Un meurtre? Vous savez très bien que non, Stella. Mon père en viendra là. Levez les mains, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Vous avez dû vous tromper, Monsieur Longman. Je suis sûr que non. J'ai bien entendu du bruit. Allons à l'intérieur. Que tout le personnel soit rassemblé dans 20 secondes. Réveillez-vous. Réveillez-vous un petit instant. Qu'est-ce que c'est? Répondez. Du sarin. Le nouveau gaz paralysant? Oui, c'est ça, le plus puissant de ces gaz. Quand on en respire, on reste paralysé sans aucune autre affection dangereuse. Oui, mais son effet dure à peine une heure. Vous auriez dû l'employer tout à l'heure. Et dans l'ordre de qui sommes-nous? De Longman. Case Longman, l'industriel? Continuez. C'est une longue histoire. Alors, éditez-la. Mais pour l'instant, je suis pressé. Je sais seulement qu'il est milliardaire et qu'il est également un grand savant. Dites-moi vite le reste. C'est un appel du central? Attention à ce que vous direz. Allô, Chuck? Ici Tom. Tom, nous avons essayé de te joindre. Tout le monde doit se rassembler. Ordre de M. Longman. J'arrive immédiatement. Non, Tom, ça m'étonnerait. Pas avant une bonne heure. En somme, Carl, tous les gardes sont arrivés à part Tom. Il a dû lui arriver quelque chose. Il a dit qu'il venait immédiatement. Il n'a rien signalé. Carl, restez ici. Que les autres aillent fouiller partout dans le jardin. Si vous trouvez un curieux, vous avez des ordres.
Je crois que vous vous inquiétez pour rien, monsieur Longman. Carl, on ne se montre jamais assez prudent. La température augmente. Encore. Oh oui, il y a une différence de plus de 5 litres. Sans que l'ordinateur le mentionne. Attendez, c'est une fausse alerte. La situation normale s'est rétablie. Nous n'avons pas droit à la moindre erreur. Alors faites très attention. Encore une heure et nous serons. Je crois que cette fois sera la bonne, monsieur Longman. Vous verrez. À mon avis, Longman s'est trompé. Il n'y a personne. Non, non, moi aussi j'ai entendu quelqu'un et quelqu'un a réellement crié. Va voir derrière la maison pendant que je fouille ici. Ronald ? Oui, Tom est ici. J'arrive ! Il a été gazé. Écoute, va à la maison et préviens les autres. Vite ! Impressionné, monsieur Templar? Oui, très. Je suis Keith Longman. Le contraire m'est surpris. J'ai dessiné tous les plans de cet ingénieux système. Qu'utilisez-vous? Du nitrogène liquide? Oui. La température dépasse les 200 degrés, bien sûr, au-dessous de zéro. Et pour l'atteindre, il ne faut que 3 minutes. Là est le secret. C'est très gentil à vous de me le révéler. Mimi, la petite souris que Vanessa vous a donnée, a été mise en hibernation de cette sorte pendant un mois sans aucun dommage. Mémoire, réaction, encéphalogramme, tout s'est révélé entièrement normal. Et son comportement est resté identique à ce qu'il était. Par ici. Quel accueil charmant. Ces garçons... Les présentations sont inutiles. Je ne pense pas rester très longtemps. Le temps de boire un verre de cognac, peut-être. Ça, bien sûr, c'est différent. Très bien. Vous savez peut-être que l'on raconte que je possède l'une des plus grosses fortunes du monde. Oui, je me suis laissé dire incidemment que vous n'aviez aucune difficulté en fin de mois. Malheureusement, malgré tout mon argent, il y a une chose que je ne peux pas acheter.
l'immortalité. Et vous la désirez? C'est exact. Dans ce cas, longue vie? La mort nous environne tous, Monsieur Templar, et nous ne pensons qu'à tuer. Les gouvernements dépensent des milliards pour la construction d'armes qui anéantissent une ville en un éclair. C'est désespérant. Quant à moi, j'ai décidé au contraire de consacrer mon immense fortune à la vie. Je vous en félicite. Vous approuvez? Oui, bien entendu. Il y a quelques années, lorsque j'ai su que j'avais un cœur en mauvaise condition, j'ai eu l'idée toute naturelle d'essayer de subir une greffe, mais le pourcentage d'échec est très grand. Je suis sûr que bientôt on aura perfectionné la technique. Monsieur Templar, hélas, je n'aurai pas le temps d'attendre. C'est pourquoi je me suis intéressé à la science crinogénique. J'ai rassemblé une équipe talentueuse d'importants savants pour construire l'installation que vous avez vue. Nous avons opéré sur des animaux et nous avons pleinement réussi. Nous voudrions réaliser cette expérience en nous servant d'un être humain. Réfléchissez. Dans une vingtaine d'années, nous pourrons guérir toutes les maladies qui sont actuellement mortelles. Et alors, tous les futurs Shakespeare et les futurs Beethoven vivront très facilement 100 ans, si ce n'est 150. Et vous vous trouverez en cette belle compagnie? Bien sûr. Vous en doutez? Avec d'autres génies. J'utiliserai cette science sur moi-même jusqu'au jour où la greffe du cœur sera pratiquée aussi couramment qu'une simple appendicite. Et surtout, ne prenez pas froid. Notre technique n'a encore jamais été essayée sur un être humain. Ceci constituera notre ultime expérience. Et vous seriez idéal sur les plans physiques et psychologiques. Ah oui, vous reconnaissez mes qualités. Et je suis prêt à vous offrir la somme d'un million de livres. Vous nous serviriez de cobaye pendant 24 heures, et nous vous réanimerions. Pourquoi n'essayez-vous pas sur vous-même? Oh, mais peut-être voulez-vous que je réponde. Vous avez peur de mourir. On m'a affirmé que dans ces cas-là, on avait aussi peur de vivre. Maintenant, excusez-moi. Non, restez où vous êtes, messieurs. Il est inutile de me raccompagner. Au revoir, messieurs. Bonne nuit. Messieurs, nous commençons tout de suite l'ultime expérience. Enfermez-le avec Stella. Réglage. 2 degrés par seconde. Nous appliquons le maximum depuis le début. Nous devrions atteindre la bonne température en 3 minutes. 123 secondes. C'est notre record absolu de vitesse. Ainsi, nous éviterons peut-être toute détérioration. Préparez les électrodes. Elles sont prêtes, Monsieur Longman. Ce sera trop rapide, Monsieur Longman. Réglé pour 2 degrés par seconde. Le drap à sa place. Je pense que ça devrait réussir. Toujours la joie de vivre sur Terre. Alors, ils vous ont eu? Oui, je crois qu'il serait difficile de prétendre le contraire. J'en étais sûre. Sûre de quoi? Que vous alliez suivre Vanessa. Mais donnez-moi au moins l'occasion. Vanessa et 2 des hommes sont allés à Londres pour vous ramener par la force. Et c'est là-dessus que vous n'êtes pas d'accord? Ah, que voulez-vous dire? J'ai assisté à votre entrevue amicale. Oh, alors vous êtes venu de votre plein gré. Ma curiosité atteignait un tel point que j'ai pensé qu'il fallait essayer de la satisfaire. Mais qui vous a indiqué cet endroit? Des amis très chers. Laissez-moi vous dire qu'en ne prenant pas très au sérieux mon père, vous faites une erreur. Il est un génie, un fanatique, et il se montrera dangereux. Et vous travaillez avec cet homme? Non, j'ai arrêté. Mais pourquoi? Je n'étais pas d'accord pour vous tuer. Oui, et si je mourrais pendant l'expérience, vous vous en moqueriez? Non, mais qu'un homme décide de risquer sa vie au bénéfice de la science, c'est une chose. Mais s'il tue au nom de la science, c'est alors un meurtre. Distinction délicate. Mais importante.
Nous aurions pu vous conditionner, et vous l'auriez fait alors, de votre plein gré. Vous n'auriez pas réussi en 100 ans. En un mois. Aujourd'hui, on réussit à convaincre n'importe qui avec des drogues et un procédé hypnotique de suggestion. Ah oui, je suis désolé, pour le moment, je veux sortir d'ici. Carl. C'est prêt. Oxygène. Oui, prêt. Rien à signaler, 3 degrés de moins que la normale. Voltage maximum pendant 3 secondes. 3 à peine. Allez-y. Oxygène. Le pouls, Chuck. Nul. Respiration. Nul. Prêt à recommencer, le voltage maximum. Attention, allez-y. Ni pouls, ni respiration. Recommençons encore. Vous êtes prêts? Allez. Toujours rien? Non. Nous avons échoué. Il faudrait abaisser la température encore plus vite. Carl, toujours décidé à me suivre jusqu'au bout? Oui. Chuck. J'ai déjà dit oui. Maurice. Je suis toujours avec vous. Très bien. Je n'abandonnerai pas. Allez donc chercher Templar. Nous réussirons. Avec Templar. Avec Templar. Et si seulement nous pouvions abaisser... En un temps, moi... Un verre d'eau, j'ai une crise. Oh. Vite. Ça ira, monsieur Longman? Très bien. Il dort encore? Oui, il n'a toujours rien dit. Chuck, Maurice, que se passe-t-il? Eh bien, la phase numéro 1 est terminée. La réanimation a échoué. Venez. Tout le monde dehors. Attention tout le monde, attention tout le monde. Alerte générale, alerte générale. Templar et Stella se sont évadés. Fouillez le jardin. Oh oh oh. Ah, j'ai vu ça à la télévision. C'est très bien, mais il est inutile de hurler. Templar et Stella sont enfuis. Mais ils n'iront pas loin. Trop tard. Nous allons agir sans demander l'aide de personne. Et souvenez-vous-en, Carl. Le temps est abaissé à moins d'une minute.
Attendez une seconde. Lâchez tout, je vous tiens. Ah ! J'ai laissé la voiture près d'ici. Oui, plus tard, hein. D'accord. Alors, où alliez-vous donc, Monsieur Templar ? Joli coup de théâtre, Vanessa. Nous vous avons raté à Londres. Nous ? Ah, tous les croque-morts sont là. Je reconnais que nous vous avons sous-estimé. Oui, ça arrive très souvent. Votre voiture se remarque, vue d'hélicoptère. Je ne sais pas où vous alliez, mais une chose est certaine. Nous vous gardons avec nous. C'est curieux, tout le monde semble vouloir m'accaparer. Faites demi-tour sans histoire, allez, levez les mains et tournez-vous. C'était bien la peine. Nous vous abattrons sans hésitation. Papa ? Jack ? Maurice ? Avancez par ici. Asseyez-vous, Monsieur Templar. Mon père... Oh, non ! Tous les appareils fonctionnent parfaitement. Le système fonctionne en position automatique. Qui est le cobaye ? Mon père. Il a eu une grave attaque. Il allait mourir. Nous n'avions vraiment pas le choix. Et maintenant ? Dites-moi, quand le réanimerez-vous ? Dans 10 ans. Peut-être 20 ans. Il vaudrait mieux être sûr. Il a parié contre la mort. Laissez-lui une chance de gagner la vie.